Bah, l'initiative, elle est déjà à l'origine des relations avec Mouzdiouf, quand même avec David Donadaï, le président de Cité Star. Et voilà, Mousse qui est vice-président et maintenant à vie, tout le temps, il est toujours dans nos têtes. Voilà, et c'est quelque chose d'important pour nous parce que c'est l'hommage à la famille, par le biais du sport, car on sait que le sport est un levier social extraordinaire pour nous. Et voilà, donc on est là à cette occasion pour justement se remémorer cette personne qui est tout simplement unique et qui a été le grand frère de nous tous. Et vous, justement, comme Mouzdiouf est un grand frère pour pas mal de jeunes et des quartiers, quel message vous pouvez donner à tous ces jeunes qui veulent avancer dans le milieu du sport ou ailleurs? Quel message pour leur lancer? Le message que je donne aussi à des Teddy Tango, à des Ladji Doucouré, à ce que j'appelle mes fessions, puisqu'ils m'appellent tous tonton, c'est simplement de se dire qu'il y a le sport, mais aussi que nous, on doit aussi préparer notre avenir. Le sport, c'est court, c'est un passage dans la vie, c'est pas grand chose. C'est 10 ans au niveau, 5 ans, 3 ans, on n'est pas à l'abri d'une blessure, mais il y a une vie après le sport. Et les doubles projets, il est important. Donc, travailler, bien travailler à l'école, c'est important aussi. Préparer son avenir, c'est important. Et je crois que la notion de plaisir est plus importante après quand on fait du sport. Ça devient, on relativise tout. Le sport, il faut que ça soit avant tout du plaisir. Et quand il y a du plaisir, généralement, c'est là qu'on se sublime. Merci, monsieur Yalouz. Merci à toi. Pour votre intervention. On vous remercie aussi pour être venu pour nous, vous et tous vos amis de Cité Star. Magazine de passionnés, par des passionnés, sans être dans les Cité Star, à l'occasion de la commémoration de la mort de Mouzdiouf. Donc d'abord, première question, Michel. Qu'est-ce que vous découvrez après ce match Qu'est-ce que vous ressentez? Mousse est un président de Star, donc c'est normal qu'on soit là. Ça fait partie des choses, j'allais dire, qui ne se discutent même pas. Donc non, c'était sympa. En plus, ça permet de... S'il vous plaît, les shorts, chaussettes, maillots. Michel, Indra. Ça permet de retrouver, j'allais dire, les anciens joueurs. Vous les mettez en boule, c'est vrai qu'il était avec nous tout le temps et c'est vrai que bon, ça fait un gros manque hein, et c'est vrai que maintenant on passe à tous les ans parce que ça fait partie des choses normales, il faut oublier. Les gens oublient très vite. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est bien. On donne bien d'un peu de manque et puis c'est pour quelqu'un qui a compté. En plus il est chez lui, ici il est déjà lui, donc c'était normal de le faire ici. Maintenant, j'aimerais vous poser une question un peu plus large sur le football en général. Qu'est-ce que vous pensez du niveau du football français, au niveau des clubs? Il y a deux footballs. Je pense qu'il y a le PSG d'un côté, pour être honnête, parce que là, chat, même s'ils ne gagneront pas tous les matchs, même s'ils vont en perdre, mais c'est vrai qu'ils sont sur une autre planète, je pense. Et c'est bien, moi je trouve chapeau, parce que j'allais dire, pour une fois que quelqu'un vient de mettre de l'argent en France, on va pas, j'allais dire, pleurer non plus. Hein. J'allais dire, il vaut mieux qu'ils le mettent en France qu'en Angleterre ou qu'en Espagne. Donc ça, c'est génial. En plus, c'est le club de la capitale, c'est mon ancien club, donc j'ai toujours, évidemment, un peu plus près de ça. Et c'est vrai que bon, ça tire vers le haut, parce qu'avoir des grands clubs comme, j'allais dire, PSG, Monaco, Marseille, même si actuellement, ils sont un petit peu moins bien, mais ça tire vers le haut. Ça permet de chaque fois que Paris se déplace d'avoir des cartes à gratter, surtout sur des clubs un petit peu plus Evian, des choses comme ça. Donc pour eux, ça fait des bonnes recettes. Et puis ça tire vers le haut, et puis les équipes qui gagnent en France, c'est vrai ça fait un bout de temps qu'on n'était pas trop habitués, donc c'est bien. Alors moi, ouais, en tant qu'amateur de foot, j'ai le sentiment que le football français est un football, alors c'est peut-être pas joli ce que je veux dire, trop équilibré. Il n'y a pas assez. Le problème, c'est qu'il y a. Bon, il y a Paris, Monaco. Bon, je pense que Monaco, on en a fait un peu trop. Parce que ça reste quand même une équipe jeune hein, qui vient de se créer. Ils ont fait 3-4 bons résultats en début de saison, tout le monde a essayé. Et heureusement, j'ai envie de dire que c'est en mettant des sous qu'on peut avoir. Je t'ai donné l'invitation, Najim. Ouais, c'est bon. Surtout pour les amateurs. Michel, t'as eu l'invitation. Merci. Alors, ça fait du bien. Justement, voilà. Je me permets de rebondir. Ouais. Moi, quand je dis trop équilibré, c'est pas péjoratif, c'est plutôt que je parle du football français en général, je le trouve très, très difficile en fait à niveau moyen. C'est pas un niveau. Alors moi je le trouve plutôt bon dans le sens où, alors je m'explique, dis-moi, c'est un avis. Je trouve que pour que
un étranger, un buteur s'impose en face, très difficile. Alors là, c'est en train de s'imposer l'année dernière, mais en règle générale. Oui, voilà. Donc, je pense que le nouveau français, il est très complet, en fait, tout simplement. Non, il est complet. Il n'y a pas, je pense, de mauvaises équipes, mais jusqu'au PSG d'il y a deux ans, il n'y avait pas de super équipes. Là, je suis d'accord. Voilà. Il y avait Lyon pendant 10 ans, mais au niveau français, au niveau européen, dès qu'on arrivait en quart de finale, alors, demi-finale, on n'a jamais été. Monaco, ils ont été en finale une fois, mais je vais presque dire, par hasard, mais on va dire, c'est presque, on va dire, parce que c'est pas sur la continuité. C'est pas des équipes comme le Bayern, c'est sur tous les ans. Alors c'est vrai que ça, c'est une culture de la gagne, il y a une culture qu'il faut avoir. Mais est-ce que c'est pas aussi le manque de stars? Parce que on le voit à un haut niveau, c'est les stars qui font gagner. Oui, mais il faut appeler un chat un chat. Les stars, elles viennent, elles tout. Hein. C'est pas... Non, oui. Mais j'allais dire, alors on va dire que c'est normal. Dans le football amateur, on dira, il mouille les salaires. Mais quand je vois un gars comme ça, quand il mène 4-0 contre l'Orient et qu'il va faire presser, qu'il va presser encore son défenseur alors que le match il est fini, il pourrait sortir, il pourrait dire à Laurent Blanc, alors c'est vrai qu'on va dire c'est des salaires, qui sont... ça ne veut plus rien dire, c'est vrai. Mais s'il ne vient pas à Paris, où est-ce qu'il va au Real, sur Manchester, il vaut mieux qu'on les chinois. Donc a priori il est content d'être à Paris, il a retenu, donc j'irai voilà, alors après... L'argent, c'est pas l'argent. Pour moi, non. C'est pour toi, c'est c'est-à-dire quelqu'un de plus impliqué, de plus déterminé, de plus investi, même s'il a toujours fait le boulot l'année dernière, mais j'ai l'impression que l'homme a changé. Vous, est-ce que... Non, mais est-ce que je pense que l'homme a changé déjà, je pense qu'il se plaît. C'était, j'allais dire, un club de... C'est le pari d'habitude, quoi, au niveau qui français, peut battre tout le monde, mais qui peut perdre contre tout le monde. Voilà. Donc c'est vrai que c'était, voilà, au niveau européen, ils n'existaient pas. Oui, une coupe des vainqueurs de coupe, mais j'allais dire que c'était pas... Bon, et c'est vrai qu'il l'avait dit un moment avant que j'arrive, alors ça n'a pas plu à tout le monde, mais il n'a pas complètement tort. C'est pas gentil pour Jean Jouéa. Non, mais c'est vrai. Mais sur une période sur 10 ans, ouais, ok, il y a eu l'époque Canal Plus, ok, mais sinon c'est vrai que la dimension qui a parlé aujourd'hui, on n'est plus sur la même planète. Et c'est bien, moi je trouve que c'est bien. C'est bien parce que les gars, tous les jours, j'allais dire, Laurent Blanc, il a su créer une osmose, parce que c'est vrai qu'on a dit au départ, tout le monde s'est foutu de lui, quand il est arrivé, on a dit, on le prend parce qu'il n'y a personne d'autre, et quand on regarde le palmarès par rapport à l'année dernière, on prend plus de buts, on en prend moins. On a vaincu et on joue mieux. C'est tout. C'est la dernière, vous gagnez, mais il y avait des matchs. Vous voyez, on fait des spectateurs. C'est vraiment être. Mais c'était aussi une autre tactique. Mais c'est une autre tactique. Un grand frère qui nous a quittés malheureusement. Donc nous sommes là avec M. David de Cité Star. Et j'aimerais savoir quelle implication ça a pour vous ce genre d'événement et votre présence pour nous ce genre de. Bah en fait, on a créé l'association 98 avec Pascal Sélène, Mousse Diouf, Michel Milojevic, Nordin Kouricic qui n'a pas pu être là parce qu'il est avec la sélection algérienne, Guy Héberlé, Vincent Philis, Jean-Pierre Paoli et Luis Fernandez. Donc on a créé l'association 98 pour les enfants battus et défavorisés. Mousse a dit oui tout de suite, on avait signé les statuts avec Mousse au réservoir. C'est quelqu'un qui s'est toujours impliqué dans l'association, qui est tout le temps venu à tous les matchs depuis 98. Je pense que s'il y avait vraiment quelque chose à faire aujourd'hui lui rendre un hommage, je pense que c'était dans sa ville, à Bobigny, en présence de ses enfants qu'on a vu tous grandir, parce qu'elle était là avec nos enfants, les enfants de Michel, les enfants de Le Luc, les enfants de Pascal Sélème. Cité Star, c'est une association où moi j'estime qu'on est là pour se réunir, se faire plaisir, on est entre amis, c'est la bonne cause, on a 16 ans d'existence. On est la première en France qui a 479 personnalités du monde sportif, artistique et médiatique, qui est là permanent, toute l'année, c'est pas une fois de temps en temps. Qu'est-ce qu'on peut dire à Cité Star ? Ben, continuer une longue vie avec tous ces artistes et ces sportifs, ce que je le dis. Cité Star vit au travers des artistes et des sportifs. S'il n'y a pas ces gens-là pour aider la cause des enfants, ça va être difficile. Et elle s'agrandit chaque année, elle est de plus en plus grande, elle marche de mieux en mieux. Et je souhaite encore que d'autres personnalités se rajoutent, continuent à se mettre dans l'association et que ça soit toujours une fête festive, de la joie, de la bonne humeur.
et se dire quelque part qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont malheureux, qui meurent, on voit le typhon aux Philippines, et que nous on a quand même la chance de vivre dans un pays où on est encore là, on mange, on boit, on est en bonne santé, on a une famille, et je pense que c'est quand même la plus grande chose. Mais on souhaite beaucoup de bonheur et encore beaucoup de belles choses, comme on dira à Cyclestar, avec tous ces artistes qui nous, chaque année, rejoignent et agrandissent, comment dire, cette association. Alors, bon, merci pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Tous les amis de Mouziou, nous, on était ses petits frères, donc David Mouziou, vous remercie. Luc Sonor, ancien international, ancien joueur de l'AS Monaco. Et si je vais un peu plus loin, moi je dis que monsieur Luc Sonor est un très grand joueur, mais alors il a été zéro pourvoyeur comme moi. Justement, c'est un très grand joueur et je vais y venir, et modèle des latéraux modernes. C'est gentil. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Donc voilà, donc on a avec Luc Sonor. D'abord Luc Sonor, on est ravis de vous avoir. Et puis avant tout, on voudrait savoir vos impressions sur la commémoration de Mouziou qui était le président de Cyclestar. Donc je suppose. Vous savez, quand quelqu'un vous quitte, c'est jamais. On ne fait jamais assez pour cette personne. Et malheureusement, c'est toujours quand la personne part que très souvent on se rend compte de la valeur de cette personne. Moi, j'ai pas envie de parler de Mousse au passé, j'ai envie de parler comme s'il était encore là et dire que je l'aime, quoi. Qu'on lui a toujours fait sentir, on lui a toujours fait comprendre les impératifs de nos métiers, chacun fait qu'on n'a pas pu vraiment se rencontrer autant qu'on le voudrait, même si on l'aurait souhaité. Mais ce qui est important, c'est qu'il ait eu une bonne vie, qu'à ce jour il repose tranquillement en paix. On sait que là où il est vraiment bien, il est en paix. À partir de là, on peut dire que ça, parce que j'aime pas trop parler du passé tant la personne est encore dans mon cœur, quoi. C'est encore, il va rester là pendant un moment, donc je suis pas prêt de parler du passé. Tu sais, puisque je le suis, dans la culture antillaise, oui. Le décès, c'est une étape, mais la vie continue surtout. Ce n'est qu'un prolongement. Tu sais que tu es un grand latéral et surtout un grand classé international français. Je veux savoir quelle image vous avez de cette équipe actuelle par rapport à celle de l'époque. Vous pensez que quand on dit que le peuple français n'est plus trop amoureux de France, qu'est-ce que vous en pensez? Mais ça vous touche. Mais le problème des équipes françaises, de l'équipe de France aujourd'hui, et je pense que toutes celles qui sont arrivés après France 98 et qui arriveront encore après auront ce souci. C'est-à-dire que les Français, je dis souvent, ça a été une bonne chose qu'on ait été champion du monde, mais d'un autre côté, ça a été aussi une mauvaise chose parce que ça nous a laissé imaginer qu'on était devenu un grand pays de football, qu'on allait gagner la Coupe du Monde tout le temps, qu'on allait gagner le championnat d'Europe. Donc on ne prend pas de patience, il n'y a plus de patience aujourd'hui, on ne pardonne plus rien. Alors qu'il faudrait pardonner. Il y a une équipe qui est en reconstruction. Aimé Jacquet, avant d'arriver champion du monde, il a mis 4 ans pour construire cette équipe, 5 ans même. Donc c'est vous dire, donc, je pense qu'il faut à un moment donné qu'on comprenne que champion du monde, on ne l'est pas en claquant des doigts. Et ensuite, on a été champion du monde chez nous. Ok, donc tout le reste, il y a quand même, ça joue tout ça. Donc je crois que moi, j'ai pas une mauvaise image de ces garçons-là. C'est simplement qu'ils jouent avec leur potentiel. On ne peut pas aller plus haut que ce qu'on est. C'est tout. Il n'y a pas une question de, oui, ils gagnent trop ou ils veulent porter le maillot d'équipe de France. Ce n'est pas possible de raisonner de la sorte. Donc il faut leur laisser le temps, tout simplement. Là, je pense qu'on va se qualifier pour aller en Coupe du Monde. Mais je trouve malgré tout que c'est même trop tôt. Parce que je ne suis pas persuadé qu'on ait une équipe pour bien figurer en Coupe du Monde. Passer cette chose, bien figurer, c'en est une autre. Et c'est surtout ça qui m'inquiète aujourd'hui. Je vous regarde dans le 11 d'Europe, mais pas que. Je trouve que vous faites partie des commentateurs de la famille d'Aimé Jacquet, Franck Sauzet, vraiment des techniciens, ceux qui s'attardent uniquement sur le jeu et pas sur les à côté, ce qu'il a fait hier soir, machin. Et personnellement, je trouve que c'est la façon la plus objective d'aborder les commentaires. Maintenant, aujourd'hui, on est un petit peu dans le voyeurisme, dans le copinage, dans le lobbying. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez. Enfin, j'ai une idée de ce que vous pensez de tout ça, puisque forcément, je connais votre ligne de conduite. Mais qu'est-ce que ça vous inspire par rapport au journalisme sportif? Je suis consultant, je ne vais pas, aujourd'hui je ne suis pas là pour cracher dans la soupe. Maintenant je dis que
on ne peut pas vous donner un micro et vous permettre de dire n'importe quoi. Donner un micro, ce n'est pas une liberté de parole totale. C'est aussi savoir se contrôler, c'est aussi savoir donner des avis. Parle uniquement de l'attitude du joueur, du concret. On n'est pas là pour parler de ce qu'il a fait hier soir, de ce qu'il a... Moi, je m'identifie pas à ça. Je suis consultant, mais je vais m'en enlever de ça. Et si je ne suis pas plus souvent que ça dans les télés, dans les radios, c'est parce que justement, je ne peux pas dépasser les limites. Mais ça on en est bien conscient. Il y a plein de choses que je refuse parce que moi, je ne peux pas passer mon temps à cracher sur ce qui m'a nourri, sur le football, et aller sur un plateau et massacrer les joueurs sous prétexte que vous avez la liberté de parole. Non, ça ne va pas être moi. Moi, je suis contre ça, je le dis et je le dirai toujours, qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas. Et même si demain, je ne dois plus commenter nulle part, c'est pas grave, mais je vais mourir avec mes convictions qui sont qu'on ne peut pas tout se permettre parce qu'on vous offre la possibilité d'avoir un micro et une caméra en face de soi. Il faut respecter autrui, il faut respecter l'autre. Et moi, c'est la première, c'est ce qu'on m'a inculqué en premier lieu chez moi. Et mes parents se retourneraient dans leur tombe si aujourd'hui je devais changer. Donc à partir de là, je garde ma même ligne de conduite, quitte à ce qu'on me fasse, qu'on ne fasse plus appel à moi. Mais au moins, je peux me regarder le matin dans une glace et dire que j'aurais respecté tous les principes qui doivent être respectés quand on fait ce métier. Alors nous, par rapport à ce que vous dites, on est totalement d'accord avec vous. Complètement à 100%. Ah oui, parce que en fait, ce qu'on essaye de, c'est d'offrir un autre regard sur le football, avec plus d'amour, plus amateur, mais plus de passion, mais moins d'éparpillement et mais plus vous concret. Êtes le football aussi. Hein. Tous ceux qui travaillent, qui sont dans le football, sont le football. C'est ça qu'il faut se dire. Le football, ce ne sont pas seulement les acteurs. C'est tous ceux qui font que ça devient des acteurs. C'est ça. Vous êtes le football. Il faut mettre ça dans la tête. Vous n'êtes pas des gens qui allaient sur les stades faire des interviews. Non. Si vous êtes là, c'est parce que vous aimez ça. Et c'est parce que aussi vous respectez cette profession, que vous respectez l'autre. Et c'est ça qui est important dans ce métier, que beaucoup n'ont pas saisi. Vont-ils le comprendre? Vont-ils le faire un jour? Je ne sais pas. À la limite, ce n'est pas mon problème. Ce qui m'importe, c'est qu'on parte dans une ligne de conduite. Moi, ce que j'aimerais entendre de votre part, c'est quel message vous pouvez donner à tous ces jeunes qui sont des quartiers, qui très souvent veulent faire cette carrière, d'autres carrières, et se perdre. Quel message vous pouvez leur lancer pour qu'ils y arrivent? La carrière de footballeur, ouais. Déjà, les rassurer qu'il y a beaucoup d'appeler très peu d'élus. Donc, il faut faire attention à ça. Attention à tous les démarcheurs qui viennent. On y va, messieurs, Mont et Merveille, il faut faire attention à ça. Donc je leur dis que tout est possible. Quand on y croit, quand on en veut, tout est possible. Encore faut-il s'en donner les moyens. S'en donner les moyens, je ne parle pas de moyens pécuniers, je parle de moyens techniques et psychologiques pour arriver là où on veut aller. Moi, je suis parti très jeune de la Guadeloupe, j'avais 13 ans. J'étais maigre comme ça, personne n'aurait pensé qu'un jour je le ferais. Seul mon mental a fait que j'y suis arrivé. Pourquoi? Parce que j'ai des parents qui m'ont privé. Ils m'ont pas dit non, tu vas y aller, mais t'inquiète pas, on va te chuter. Pendant 3 ans, mon père il m'a dit, tant que t'as pas un contrat, tu mets pas les pieds en Guadeloupe. Donc il y a tous ces petits messages qu'il faut leur faire passer. Et bien arrêter de leur vendre du rêve. Le problème il est là, c'est qu'on leur vend trop de rêves. Il faut d'abord y toucher, et une fois qu'on y a touché, on peut savoir si on peut y aller. Merci de votre Merci. Il a passé. Bonjour mon ami. Bonjour Monsieur Fernandez, qui est un grand joueur ancien. C'est un grand joueur, un grand entraîneur. Je voulais savoir ce que vous pensez de l'équipe de France actuelle et est-ce que vous pensez que c'est possible d'aller se qualifier déjà et puis d'aller loin aussi à la Coupe du Monde. Est-ce que l'équipe allait aller loin? D'abord, pour aller loin en Coupe du Monde, il faut se qualifier. Je pense qu'on est bien. Parce qu'on aborde ces matchs de passer l'Ukraine dans de bonnes dispositions. On reste sur deux bonnes performances face à l'Australie, face à la Finlande. L'équipe joue de mieux en mieux. Je trouve qu'on a un meilleur état d'esprit, une meilleure volonté sur le terrain, il y a de meilleures dispositions. À partir de là, tout est réuni, mais les Ukrainiens, surtout les respecter, les Ukrainiens, ils ont quand même un bon collectif. Et vous qui êtes ancien entraîneur du PSG, aujourd'hui, est-ce que vous êtes content de voir Paris aussi haut et pensez que c'est une bonne émulation pour le français? C'est important de voir que le championnat soit beaucoup plus attractif. D'abord, des gens qui sont arrivés avec des moyens, il faut respecter, ils nous apportent des grands joueurs, comme le Russe qui est arrivé à Monaco, des garçons qui jouent dans notre championnat, qui sont cités et nominés pour le Ballon d'Or, on en a 4, je trouve que ça fait toujours un plaisir de voir des grands joueurs dans notre championnat. Bon, merci pour votre intervention. C'est gentil, bonne chance. Merci.